Depuis 2009, la société de Vaux effectue des dons réguliers en fruits et légumes au Secours Populaire. Des produits qui ne répondent pas aux normes de la grande distribution et qui ne sont donc pas commercialisables. Mais aujourd'hui, l'administration fiscale réclame 30 000 euros à De Vaux. Elle estime que les produits donnés par la société ne sont pas consommables et remettent en cause le crédit d'impôt mécénat. Il faut savoir qu'actuellement, la société De Vaux donne chaque année pour 37 tonnes de fruits et légumes au Secours Populaire, entre autres. Et que l'administration fiscale juge aujourd'hui que nous sortons des réseaux habituels et donc on devrait être taxé de 50% sur tous les dons alimentaires. Si De Vaux devait effectivement débourser cette somme, la société se verrait dans l'obligation d'arrêter ses dons. Un manque à gagner énorme pour le Secours Populaire qui ne comprend pas les arguments avancés par l'administration fiscale. Après le libellé de l'administration, on nous dit que les produits que De Vaux nous donne sont des produits qui ne sont pas consommables. Donc ce n'est pas tout à fait la vérité, puisque nous, les produits sont redistribués, sont distribués aux personnes bénéficiaires, et on ne distribue pas des produits qui ne sont pas consommables. De Vaux a déposé une réclamation en octobre 2013 qui a été rejetée. La société a donc fait appel auprès du tribunal administratif de Nantes. Oui, bah je rentre avec.